le choix de prendre la parole devant cette auguste assemblée réunie pour les consultations nationales précédant le sommet tant attendu qui aura lieu la semaine prochaine ici à Brazzaville et qui réunira les trois plus grands bassins forestiers du monde, à savoir les bassins du Congo, de l'Amazonie et du Bornéo-Mékong. Comme vous le savez, ces trois bassins abritent 80% des forêts tropicales mondiales, hébergent les deux tiers de la biodiversité terrestre et jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Elles constituent en un seul tenant un réservoir de carbone terrestre inédit, de sorte qu'il assume la responsabilité majeure des régulateurs mondiaux de l'équilibre carbone et gardien de la biodiversité. Il est à noter que la préservation des écosystèmes forestiers ainsi que leur biodiversité constitue un enjeu prioritaire pour l'humanité au regard de l'accélération des changements climatiques et des impacts qui se font davantage plus visibles et plus négatifs pour l'humanité. Comme le disait le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, à ce sujet, l'heure est à l'ambition et à l'action. À ce titre, je félicite le gouvernement du Congo, en particulier son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, pour son leadership dans le domaine de l'environnement du développement durable, ainsi que ses contributions significatives dans la lutte contre les changements climatiques et de la préservation de la biodiversité. Sa détermination dans le domaine lui a valu, par ses pairs de la sous-région, le titre de président de la Commission climat du bassin du Congo. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, les objectifs de développement durable, ODD, définissent le monde que nous voulons, s'appliquent à toutes les nations et visent à s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. De même, les 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030 servent à assurer la paix et la prospérité des peuples et de la planète. Toutes ces mesures sont relatives à promouvoir la lutte contre les changements climatiques, notamment le renforcement de la résilience et la capacité d'adaptation des pays face aux aléas des catastrophes climatiques, centrées sur le développement des partenariats entre les gouvernements, les tiers partenaires au développement, les organisations non étatiques, afin d'agir ensemble pour atteindre les résultats définis à l'horizon 2030. Nous sommes également conscients que le plus long voyage commence par le premier pas. Ainsi, les consultations nationales organisées en prélude au sommet sont donc expression d'une cadre d'échange et de partenariat qui devra permettre aux différents acteurs et parties prenantes, notamment les gouvernements, les organisations de la société civile, les communautés locales, les peuples autochtones, les experts techniques et scientifiques, les acteurs du secteur privé et les partenaires techniques et financiers, de discuter en amont sur les thématiques d'intérêt commun à l'établissement des nouveaux cadres de coopération scientifique et des mécanismes innovants, structurants, liés au marché carbone souverain qui seront abordés au cours des assises. Je voudrais réaffirmer du haut de cette tribune l'engagement du système des Nations Unies et remercier toutes les agences, en particulier les programmes des Nations Unies pour l'environnement,
et le programme des Nations Unies pour le développement qui ont été désignés par le secrétaire général pour soutenir le gouvernement dans l'organisation de ce sommet. Les Nations Unies ainsi que d'autres partenaires techniques et financiers se tiennent à vos côtés pour que le progrès de l'objectif 13 du développement durable soit tangible en République du Congo. Je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie pour votre aimable attention. Matondo Ying. Avant de livrer mon propos, je voudrais vous exprimer, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, mes plus vifs remerciements pour l'honneur que vous nous faites aujourd'hui en rehaussant par votre présence la cérémonie de lancement des consultations nationales pour le sommet des trois bassins qui se tiendra à Brazzaville du 26 au 28 octobre 2023. Mes remerciements s'adressent également à vous tous, distingués invités, d'avoir accepté de consacrer un moment de votre agenda pour prendre part à cette cérémonie. C'est là l'illustration de l'intérêt que vous manifestez pour les questions de biodiversité, de climat et de l'environnement. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, les consultations nationales s'inscrivent dans le cadre de la préparation d'un sommet historique pour notre pays, pour les pays du Sud, mais également pour la planète tout entière. Le sommet des trois bassins pour la préservation et la restauration des plus grands poumons verts de la planète répond à trois objectifs principaux. La promotion de la coopération scientifique et technique, le renforcement des capacités et l'accroissement de l'influence dans les forums multilatéraux en faveur de la défense de l'environnement. L'établissement d'une gouvernance mondiale efficace pour gérer les défis environnementaux, climatiques et de biodiversité à l'échelle planétaire. L'élaboration d'une stratégie commune visant à stimuler les projets d'investissement pour lutter contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. À cette occasion, la gouvernance régionale et mondiale des écosystèmes, les investissements pour la biodiversité et le climat, ainsi que les mécanismes de financement innovants, en particulier le marché du carbone souverain, seront au cœur des discussions. Excellences, Mesdames et Messieurs, le sommet de Brazzaville est désormais inscrit dans l'agenda international du climat et de la biodiversité. Aussi, comme tout événement de cette envergure, son organisation s'articulera autour de trois sessions. Une session technique, le 26 octobre, une session ministérielle, le 27 octobre, et un segment de haut niveau, le 28 octobre. Conformément aux recommandations de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État de la République du Congo et président de la Commission climatique du bassin du Congo, Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, relative à l'inclusion, il a insisté à l'inclusion et à la participation citoyenne à la décision. Nous avons donc souhaité, sous la haute coordination de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ouvrir donc un dialogue en amont autour du sommet en rassemblant les forces vives de la nation pour échanger sur les contours et les enjeux de cet événement majeur. Cela pour faciliter la compréhension des différents sujets qui seront couverts pendant le sommet et impulser des débats. En tant que pays hôte, nous ne pouvions laisser la société congolaise le vivre de manière passive en la tenant à l'écart d'un rendez-vous historique pour notre pays. Aussi, nous avons souhaité, à quelques jours du sommet, conduire ces consultations pour vous donner l'occasion de vous imprégner
des enjeux et vous inviter à réfléchir collectivement en vue de développer une vision commune et un consensus autour des questions clés inscrites à son programme. Ces consultations sont menées en toute souveraineté, je dis bien en toute souveraineté, dans les États du bassin du Congo et dans les deux autres États qui sont bien entendu partie prenante de ce sommet. Nous pensons en effet que c'est par le croisement des visions, la capitalisation des expériences et la mutualisation des compétences que vous incarnez que naîtront les meilleures idées et émergeront les meilleures orientations pour des positions justes et des décisions éclairées. J'encourage donc chacune et chacun d'entre vous à s'investir pleinement et à contribuer activement aux échanges. Votre expertise et vos idées nous seront, j'en suis convaincue, précieuses et d'un grand apport pour défendre nos intérêts lors des négociations à venir sur le climat, la biodiversité et le financement des services écosystémiques. Je voudrais vivement que cette consultation nationale soit le point de départ d'une action nationale coordonnée, pour ma part, en ma qualité de ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, de la République du Congo. Je disais donc que je souhaite à ce titre vivement que cette consultation nationale soit le point de départ d'une action nationale coordonnée et d'une démarche structurée en vue de trouver des solutions pérennes pour la préservation des écosystèmes naturels et impulser la mobilisation de financements sous toutes leurs formes en juste contrepartie des versés services que nous rendons pour le climat. De ces consultations, nous attendons des recommandations concrètes et des orientations inspirantes pour alimenter les échanges lors du sommet des trois bassins, mais aussi au-delà à l'occasion de la COP28 de Dubaï. N'oubliez pas que le climat, l'environnement et la biodiversité sont portés dans le cadre d'un document fondamental pour nos États et pour notre pays en particulier, qui est la contribution nationale déterminée et qui implique tous les acteurs de notre pays. Telle l'hirondelle qui annonce le printemps, qui se tient aujourd'hui, 17 octobre 2023, les consultations nationales dont j'ai l'honneur de présider les travaux, en prélude du sommet des trois bassins forestiers tropicaux que notre capitale, Brazzaville, abritera du 26 au 28 octobre 2023, sous le leadership de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, président de la Commission climat du bassin du Congo. Ces concertations réunissent les représentants des ministères sectoriels, des organisations de la société civile, des communautés locales, des peuples autochtones, les experts techniques et scientifiques, ainsi que le secteur privé. Je me réjouis de constater à quel point la mobilisation nationale est forte à la veille de ce sommet. La présence ce jour de toutes les catégories d'acteurs de la société congolaise, je rappelle, société civile, administration publique, secteur privé, chercheurs et partenaires au développement, témoigne de l'intérêt commun que suscitent les sujets liés à la préservation de nos écosystèmes et à leurs bienfaits sur le climat et la biodiversité. Merci de donner de votre temps pour apporter votre contribution aux travaux préparatoires du sommet que nous portons désormais collectivement au nom du Congo et du bassin du Congo. Le sommet des trois bassins forestiers tropicaux réunira des dirigeants, des décideurs publics et privés,
des experts, des représentants de la société civile et des partenaires clés du monde entier autour des enjeux de conservation de la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique. L'objectif premier de cette rencontre de très haut niveau est de relancer la réflexion initiée il y a de cela 12 ans entre les États forestiers tropicaux afin de parvenir un jour à une alliance mondiale pour une gestion plus concertée des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales. Le sommet de Brazzaville a pour ambition de formaliser une véritable coopération sud-sud en faveur de la biodiversité et du climat au travers d'une gouvernance mondiale pour la gestion des écosystèmes forestiers tropicaux et la stimulation de l'investissement pour le climat et la biodiversité. C'est dire à quel point l'ambition de ce sommet est élevée à la hauteur des défis qui se posent à notre planète. Considérés comme des réservoirs génétiques, poumons verts et puits de carbone, les écosystèmes forestiers des trois plus grands bassins tropicaux constituent un espace d'avenir pour la planète. Il est en effet scientifiquement établi et mondialement reconnu que les écosystèmes forestiers naturels tropicaux jouent un rôle clé dans la régulation des équilibres écologiques globaux et que la majeure partie de la biodiversité terrestre de la planète se trouve dans ces espaces, offrant ainsi à l'humanité des services écosystémiques clés. Ainsi, les écosystèmes de ces trois bassins forestiers font partie intégrante des solutions sur lesquelles travaille la communauté internationale pour faire face aux défis climatiques actuels et futurs. Une communauté internationale qui est engagée depuis près de 2 décennies dans des débats difficiles pour trouver des réponses consensuelles en vue de faire face au changement climatique et où s'opposent impératifs climatiques, souveraineté étatique et intérêts économiques nationaux. Toutefois, pour préserver cette richesse naturelle et assurer son avenir, la collaboration et la coordination, tant au niveau national, régional que global, est un impératif. Cette collaboration doit être efficace, bénéfique à tous et y apporter des réponses aux défis que nous rencontrons. Aussi, plus que jamais, l'Alliance Sud-Sud des trois bassins que nous appelons de nos voeux a-t-elle vocation à prendre en main de manière juste et souveraine le débat international sur le capital économique, financier et écologique de nos pays. Voulu et porté par le premier écologiste du Congo et l'un des pionniers mondiaux en la matière, Son Excellence le Président Denis Sassou Nguesso, le sommet de Brazzaville a pour ambition de porter le débat de manière coordonnée et collective pour que les mécanismes internationaux innovants puissent bénéficier directement aux économies nationales en contrepartie des services rendus à la planète. Nous sommes alors convaincus que pour saisir les opportunités et relever les défis, nous devons, dans un esprit de partenariat entre pays forestiers, faire avancer la coopération sud-sud dans les débats internationaux sur ces questions pour tirer le meilleur profit de nos richesses naturelles. Au regard de ce qui précède, vous comprendrez le souhait du gouvernement de la République de conduire des consultations nationales en amont du sommet, en vue de partager et de recenser les préoccupations de toutes les forces vives de la nation sur les sujets à débattre lors du sommet. L'objectif de cette démarche étant de stimuler un dialogue national inclusif sur ces questions, avec le souci constant d'inclure la société congolaise dans la préparation et le déroulement du sommet
et des enjeux qu'il porte. De ces consultations, nous entendons obtenir les résultats suivants. Développer et nourrir une vision nationale partagée sur la gestion des écosystèmes naturels, le changement climatique et la biodiversité. Informer les acteurs nationaux sur les opportunités de développement d'activités porteuses et les financements innovants en vue de tirer les meilleurs bénéfices sociaux et économiques de la gestion durable des écosystèmes et de la biodiversité. Faire connaître les préoccupations et les besoins des différentes couches de la population, plus particulièrement les jeunes, les femmes et les groupes marginalisés. Enfin, développer une influence et devenir une force de proposition régionale et internationale pour renforcer le positionnement du pays dans les différents cercles de négociations et de débats internationaux en vue de défendre nos intérêts et ceux de nos populations. Au terme de ces consultations nationales, le Congo, pays hôte du sommet des trois bassins forestiers, disposera alors d'un rapport issu d'un débat inclusif et constructif avec toutes les parties prenantes. Ce rapport permettra de consolider la position congolaise et les recommandations pertinentes seront portées au sommet pour alimenter les discussions au niveau ministériel en vue des décisions et des consultations interrégionales. Avant de clore mon propos, je tiens à remercier chaleureusement le système des agences des Nations Unies qui nous a accompagnés dans l'organisation de ces consultations au travers de ces agences, le PNUD, l'UNICEF, le PNUE, l'UNESCO, la Banque mondiale. Je tiens à remercier les partenaires au développement qui, par leur présence, ont tenu à marquer leur grand intérêt à la préparation du sommet. Ma reconnaissance va également à l'endroit des partenaires techniques nationaux et internationaux qui ont activement œuvré aux côtés de nos équipes pour la préparation des travaux. Enfin, j'adresse mes remerciements et mes félicitations à tous les acteurs publics, privés et ceux de la société civile ici présents pour leur forte mobilisation. Vive le bassin du Congo, vive les trois plus grands bassins forestiers tropicaux. Je vous remercie de votre attention.